J'ai commencé à m'en intéresser en 2004. Moi, mon domaine, ça s'appelle la graine sauvage. Mon Faugère blanc, moi je suis à Faugère, je crois beaucoup dans l'appellation Faugère blanc, qui est toute petite, mais que je suis sûre qu'il y a un grand potentiel pour grandir, c'est le rocaillasse, parce que à Faugère, on est vraiment sûr de la rocaille. Donc voilà, c'est un vin de schiste bien, bien minéral. Et puis j'ai mon Vermentino, parce que je suis italienne, et comme j'ai du Vermentino, ben j'ai décidé de l'appeler comme ça. Et puis je fais un grenache blanc 100%, qui s'appelle des Velvet Under Schiste. Et qui je fais en double avec mon compagnon qui fait la version rouge. Et puis Lutz, qui est le vin de lumière par excellence, parce que c'est fait avec des cépages qui normalement n'auraient rien à faire à Faugère, mais bon, ils sont là et ça fait quelque chose de bien puissant et bien méditerranéen. J'aime bien les couleurs, je suis une fille très colorée d'habitude, donc j'aime bien... Je trouve que quand même, je m'éclate dans le packaging en fait, je cherche de m'exprimer aussi là et donc j'essaye de faire en sorte que les étiquettes parlent un peu de moi et du vin aussi en même temps, sans dire trop de mots, sans contre-étiquette, sans trop blablater. Yeah, je pense que l'argent mieux investi dans ce métier, c'est dans les bouchons. Moi j'attends pas Noël, hein, j'attends les divins cochons à décembre. Ben, les deux, moi je suis vigneronne par gourmandise. C'est sûr que c'est ça qui m'a bougé tout au long de ma vie à faire tout ce que j'ai fait, c'est la gourmandise. Donc voilà, tous les deux. Ah, c'était ça la dernière question.